Le lendemain, Kim et Angèle se réveillèrent de bonne heure. Ils descendirent l'escalier. « Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi, » dit Namo. « Oui, » répondit Angèle, « c'est très calme par ici. Le seul ennui, » ajouta Kim, « est cet épais brouillard. » Namo sourit. « Oh, vous savez, nous en avons l'habitude, le brouillard va se dissiper. » Namo leur apporta le petit déjeuner. Puis il ajouta que le capitaine les attendait au port de la pieuvre violette, près de son bateau, le vent des brumes. Kim et Angèle se rendirent aussitôt au port. Le capitaine les attendait près de son bateau. « Dites-moi, capitaine, le nom du port est étrange, » fit remarquer Angèle. « Pas si étrange que ça. Croyez-moi, j'en ai vécu des aventures. Je vous les raconterai le moment venu, dès que ce brouillard sera dissipé. » « Je vous laisserai volontiers le gouvernail du vent des brumes. Vous irez sur l'île d'Émeraude. » Angèle et Kim s'exclamèrent. « Capitaine, ne nous dites pas que vous allez nous laisser naviguer seuls sur votre bateau. C'est bien mon intention. Il est hors de question que je croise de nouveau cette espèce de mollusque à huit branches, » grommela-t-il. « Venez, montez. Entrez dans la cabine. Asseyez-vous. » Angèle et Kim s'installèrent dans la cabine aux côtés du capitaine pour tenter de le convaincre de les accompagner vers cette île. « Pensez à cela, capitaine, » rétorque Angèle. « Combien les gens de vieille terre seraient fiers de votre courage. Je crois savoir que certaines personnes ici vous admirent. J'irais même jusqu'à dire qu'il vous serait difficile de croire que vos concitoyens pourraient vous juger. « Excusez-moi, capitaine, c'est une phrase indélicate pour vos oreilles. » « Dites toujours, je verrai bien si mes oreilles peuvent le supporter. Une poule mouillée. Cher ami, vous avez raison. Ma fierté en prendrait un sacré coup. Et nom d'un petit bonhomme, je ne suis pas de cette trempe-là. Vous, vous n'y allez pas par quatre chemins, ma petite dame, j'aime ça. Ils sont tous plus ou moins à me brosser dans le sens du poil. Vous êtes la seule à m'avoir dit ce que vous pensiez. Pour cette raison, j'accepte de vous accompagner. » Mais à une seule condition, que je choisisse moi-même le trajet, afin de ne pas croiser cette ventouse gluante. Comme il vous plaira, capitaine, je suis ravi que nous ayons trouvé une solution qui convienne à tous. Il faut dire que vous aviez les bons arguments pour me convaincre. Vous êtes une brillante diplomate. Bon, ne perdons pas de temps. Nous devons préparer le vent des brumes à ce voyage. J'ai besoin d'un coup de main, Moussaillon. Pour faire le ménage dans la cabine, il faudrait regrouper les objets dont je ne me sers plus afin de les revendre. Cela me constituera une cagnotte pour acheter du matériel neuf, comprenez-vous? La petite équipe se mit aussitôt au travail. En fouillant parmi les objets à vendre, Angèle tomba sur deux plumes, une plume encre et une plume oiseau. « Que faisons-nous de ceci, capitaine ? » demanda Angèle. « Prenez-les. Je vous en fais cadeau. Elles vous seront plus utiles qu'à moi. » Thank you.
Si vous aimez ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi activer la petite cloche en bas à droite afin d'être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Merci beaucoup!